إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 22 Safar 1435 de l'Hégire, correspondant 25 décembre 2013, بإذن الله تعالى, avec le 23e cours, بإذن الله سبحانه وتعالى. Le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, son titre c'est l'anti-islam, le jahiliya. Naam. Avant cela, inshallah ta'ala, je vous informe que à partir d'aujourd'hui, inshallah ta'ala, on a décidé de diffuser aussi sur un programme très connu qui s'appelle Bylux. Naam. Un programme très connu qui s'appelle Bylux. Naam. Pour ceux spécialement, je crois, ou ceux qui n'ont pas accès au Paltalk. Pour ceux qui du Maroc et de Tunisie et d'autres pays n'ont pas accès au Paltalk, donc ils peuvent rentrer là-bas. Il y a un salon qui s'appelle Apprendre l'islam sur la vraie voie. Apprendre l'islam sur la vraie voie. Et là-bas, inchallah ta'ala, la rediffusion. Voilà, c'est comme Paltalk. Saha. Mais il n'est pas interdit au Maroc, à ce que je sache, bi'ilnillahi ta'ala. Tayyib. L'anti-islam, le jahiliya. Cheikh Fawzan dit, hafidhahullah, c'est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire leur ignorance d'Allah, de ses messagers et des lois religieuses, ainsi que l'orgueil tribal, l'arrogance, l'oppression, etc. Naam. Avant cela, Donc le titre, le grand titre, c'était quoi? Le grand titre, c'est l'explication du sens propre de l'anti-islam, c'est-à-dire le jahiliya. La perversion, c'est quoi? Le fisq, l'égarement, ad-dalal et l'apostasie, rida, ainsi que leurs catégories et les jugements qui s'y rapportent, ainsi que les catégories et les jugements qui s'y rapportent. Un ou le petit a, on a commencé par d'abord l'anti-islam, le jahiliya. Le cheikh a dit, l'anti-islam est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant l'islam. C'est-à-dire, on l'a appelé comme ça l'anti-islam, jahiliya, c'est-à-dire leur ignorance d'Allah Azza wa Jal, de ses messagers et des lois religieuses, ainsi que l'orgueil de la tribu, l'arrogance, l'oppression. Donc cette période est appelée Jahiliya par rapport à l'ignorance, al-jahl, qui est l'absence du savoir ou bien le fait de ne pas le mettre en pratique. Attention, il faut bien comprendre cela. Al-Jahiliya, ça a deux sens. Ou bien l'ignorance vient de l'ignorance, al-jahl. Ou bien, des fois, on a la science, mais quand on ne la pratique pas, ne fait pas la pratiquer, ça s'appelle aussi le jahiliya. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, a dit, celui qui ne connaît pas la vérité est un simple ignorant. Non. Mais s'il croit le contraire de la vérité, il devient doublement ignorant. Et s'il dit le contraire de la vérité, ou non cette vérité, il devient même ignorant. Donc, les gens
avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était dans un état d'ignorance attribué à l'ignorance même, c'est-à-dire l'opposé du savoir. Car ce qu'il proférait parole ou faisait comme acte n'était inventé que par un ignorant et n'était pratiqué que par un ignorant. De même, tout ce qui contredit les messages des prophètes, alayhim salam, comme le judaïsme ou le christianisme, est considéré comme un état d'ignorance et celui-ci était général. Mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet état peut se retrouver dans une région, cet état, c'est-à-dire le jahiliya, jahiliya, l'ignorance, peut se retrouver dans une région plutôt qu'une autre, comme c'est le cas dans les pays non musulmans, ou alors chez une personne plutôt qu'une autre, comme le cas d'un homme avant sa conversion à l'islam, même s'il était en terre d'islam. Mais après l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucune période dans l'absolu ne se caractérise par l'ignorance, car un groupe de sa communauté restera toujours apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Quant à l'ignorance relative, qui n'est pas absolue, elle peut être présente dans une région musulmane et chez beaucoup de musulmans. Donc je vais un peu répéter et expliquer. Le jahiliya, qui s'appelle en français l'anti-islam, islam, c'est la situation dans laquelle vivaient les Arabes avant nous. Naam. C'est-à-dire leur ignorance d'Allah Azzawajal, ignorance des messagers, ignorance de la charia. Ajoute à cela l'orgueil de la tribu qu'ils avaient, l'arrogance, l'oppression, etc. Donc cette période, avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est appelée jahiliya, comme ça on dit, jahiliya. Par rapport à l'ignorance, le mot jahl, jahiliya, jahl, il y a le mot ignorance, qui est l'absence du savoir, ou aussi le fait de ne pas le mettre en pratique. Ce n'est pas seulement jahiliya car il y a l'ignorance, mais aussi si on sait et on ne met pas la chose en pratique. On ne met pas la chose en pratique. D'ailleurs, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Regardez ce verset. Regardez ce verset. Allah Ta'ala dit dans le Coran, Innama at-tawbatu 'ala Allah lilladhina ya'maluna bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubu Allah 'alayhim wa kana Allah 'aliman hakima. 4, 17. 4, 17. C'est-à-dire, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance, qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Regardez bien le verset ce qu'il a dit Allah Ta'ala. Allah accueille, accepte seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit, vous voyez à peu près, si vous allez bien méditer ce verset, vous allez trouver qu'il y a un ishkel. Ishkel, il y a un petit problème. Pourquoi? Car ce qui est connu en islam, quoi? C'est que celui qui se repent, c'est celui qui, quoi? Qui fait une faute, naam, celui qui se repent, c'est celui qui fait une faute en sachant que c'est une faute. Mais celui qui fait une faute, ne sachant pas que c'est une, n'a pas fait une faute. C'est pour cela qu'il n'a pas besoin de se repentir. Vous avez compris? Moi, par exemple, c'est un exemple, c'est tout. Par exemple, je ne savais pas qu'il fallait pas manger telle chose. C'était haram. Ensuite, moi, je l'ai mangé. J'ai pas fait de péché. Donc, je n'ai pas à me repentir. Si je me repens, je me repens de ne pas avoir demandé la science, peut-être. Mais pas du péché lui-même. J'ai pas fait de péché. Alors, comment se fait-il Allah Ta'ala a dit ici, a dit qu'il acceptait seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Par ignorance, il n'y a pas de mal. Donc, ça veut dire quoi? D'ailleurs, laissez-moi vous dire que l'ignorance ici, dit en arabe, yani jahala, jahala, naam, jahala. C'est pour ça qu'on parle de jahiliya. Naam.
Donc, je disais, donc ici, ça veut dire quoi? Pour que le verset soit clair et qu'il y ait ambiguïté dans le verset, ça veut dire que Allah Ta'ala accueille, accepte le repentir, l'âme, de celui qui fait le mal en sachant que c'était un mal, mais il ne l'a pas appliqué. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure un peu en haut, si vous vous rappelez, on a dit, l'anti-islam, c'est ou bien l'ignorance, ou bien le fait de ne pas mettre en pratique. Donc ici, le verset, ce n'est pas l'ignorance, car celui qui est ignorant, Allah Ta'ala ne lui donne pas de péché, il n'a pas besoin de se repentir. Mais c'est plutôt celui qui n'appliquait pas. Donc, il savait que telle chose était haram, mais il ne l'a pas faite. Mais il est né à transgresser comme ça, il est si celui-là, il faut qu'il revienne vite, et Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Ensuite, Cheikh Al-Im a dit, ensuite Cheikh Al-Islam a dit, celui qui ne connaît pas la vérité est un simple ignorant. Mais s'il croit le contraire de la vérité, il devient doublement ignorant. Donc maintenant, c'est pour dire que l'ignorant en islam et dans la charia se divise en deux. Il y a l'ignorant simple et il y a l'ignorant complexe. Celui qui est complexe, c'est plus grave que l'ignorant simple. L'ignorant simple, c'est celui qui ne connaît pas du tout, yani, la chose. Si tu lui poses une question, je ne connais pas la réponse. C'est comme si tu lui disais, par exemple, quel mois les musulmans jeûnent une fois par an? Il te dit, je ne sais pas. Tu lui dis, combien qu'il y a de prières par jour? Il te dit, pas. Vous comprenez? Il n'a pas de science. S'il n'a pas de science, et de lui, il a une ignorance simple. Mais maintenant, s'il dit l'opposé de la vérité et de la science en répondant, celui-là, on dit de lui, c'est un ignorant complexe. Par exemple, on lui dit, quel est le mois que les musulmans jeûnent une fois par an? Il dit, par exemple, c'est Sha'ban, au lieu de dire Ramadan. Ou bien il dit, c'est Muharram. On dit de lui, il a une ignorance complexe. Non. Parce qu'il a dit le contraire de ce qu'il fallait dire. Le premier est mieux que lui. Il a dit, je ne connais pas du tout la réponse. Celui-là a dit ce qu'il ne fallait pas dire. Et si on lui dit combien il y a de prières obligatoires pour le musulman, hein, par jour, au lieu de dire 5, il va dire par exemple 3, ou bien 6, ou bien 7, et comme ça, au lieu de dire 5. Celui-là, on dit de lui, c'est un ignorant d'une ignorance complexe. C'est plus grave que l'autre. Pourquoi? Parce que le premier a fait une seule faute. C'est quoi sa faute? Il n'a pas su, il n'a pas de science, il n'a pas répondu comme il fallait. Et le deuxième a fait deux fautes. La première, il n'a pas de science. La preuve, il a dit que le mois qu'on doit jeûner, c'est Sha'ban, donc il n'a pas de science. Et il a cru autre chose. Il a cru que c'était Sha'ban. Donc il a fait deux fautes, alors que le premier a fait une seule faute. Allah Ta'ala dit dans le Coran, dans un verset que je vais vous citer, Inch'Allah Ta'ala, Allah Ta'ala dit, une seconde, le verset, je ne sais pas si ça s'affiche ou ça s'affiche pas, Allahu A'lam, c'est une autre. Une seconde. Il a dit, Subhanallah. Il a dit, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهولة من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Ça, on l'a vu déjà. Il a dit, أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Ça, c'est 24. 40, c'est-à-dire les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes aux autres, au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue pas.
Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit que Allah Ta'ala ici parlait de quelqu'un qui a une ignorance simple. Ténèbres sur ténèbres, vagues sur vagues, obscurité sur obscurité, tout ça, c'est quoi? C'est yani, ignorance simple. Par contre, quand Allah Ta'ala a dit, avant ce verset, il a dit, والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجد شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 24-39. Ici, regardez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis, quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien. Mais, il trouve Allah Azza wa Jal qui lui règle son compte en entier. Car Allah est prompt à compter. Celui-là, il a quel genre d'ignorance? Il a l'ignorance complexe. Pourquoi? Car il était dans une plaine désertique et il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose qu'il a pris pour de l'eau. Alors qu'en fait, il n'a vu qu'un mirage. Et quand il s'est approché, il a trouvé. Trouvé qu'il n'y avait rien, c'était juste un mirage. Par contre, il a trouvé Allah subhanahu wa ta'ala et la mort, etc. Il lui a réglé son compte. Donc, celui-là, il a une ignorance complexe. Pourquoi? Parce que le mirage pour de l'eau. C'est ténèbres sur ténèbres, obscurité sur obscurité, mais il n'a rien pris pour d'autre. Le premier a une ignorance simple et celui-là a une ignorance complexe. Donc on revient on dit tout ce qui contredit les messages des prophètes alayhissalam comme le judaïsme, le christianisme ou autres sont considérés comme un état d'ignorance et celui-ci était général, mais après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cet état le djahiliya, l'anti-islam, peut se retrouver dans une région plutôt qu'une autre. Comme c'est le cas dans les pays non musulmans. Dans les pays non musulmans, ils vivent l'anti-islam. Et ça peut se trouver chez une personne plutôt qu'une autre. Comme le cas d'un homme avant sa conversion à l'islam. Mais l'avènement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucune période dans l'absolu ne peut se caractériser par l'ignorance. Car il y a toujours un groupe de sa communauté qui restera apparent sur la vérité jusqu'à la fin des temps. Quant à l'ignorance relative qui n'est pas absolue, elle peut être présente dans certaines régions musulmanes et chez beaucoup de musulmans. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit « Arba'un fi ummati min al-jahiliya » Il a dit « Dans ma communauté, caractéristiques de l'époque de l'ignorance. » Il n'a pas dit que ma communauté l'ignorance et l'anti-islam. Mais il a dit, dans ma communauté, il y a quand même quatre caractéristiques qui sont toujours présentes. Et qui font partie de l'anti-islam. De l'ignorance. Il a dit aussi, sallallahu radiyallahu ta'ala anhu, il lui a dit, innaka mru'un fika jahiliya. Lui a dit, tu es un individu qui a l'ignorance et ce qui se rapporte à cela, rapporté par Muslim. Donc il se peut qu'une personne ait quelque chose de l'islam, jahiliya. Le prophète islam a dit Abu Dhar, un grand sahabi radiallahu ta'ala, il lui a dit, tu es un individu ignorance. J'avais dit quelque chose sahabi, disant de lui que sa mère était noire ou quelque chose comme ça. Il a dit, tu es un individu qui a de l'ignorance. En conclusion, al-jahiliya fait référence à al-jahl, l'ignorance, qui est l'absence du et elle se subdivise en deux catégories. La première catégorie. L'ignorance générale, al-jahiliya al-amma,
c'est la situation qui a précédé l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a pris fin à son arrivée. L'ignorance générale anti-islam, la période anti-islam, anti-islam, celle-là, c'est la période qui a précédé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a pris fin après son arrivée. Naam. Deuxièmement, l'ignorance particulière, al-jahiliya al-khassa, particulière. Celle-là, elle est particulière à certains pays, à certaines régions et certains individus. Persiste jusqu'à de nos jours. Elle persiste jusqu'à de nos jours. Cheikh Hafidhahullah dit, Cheikh Hafidhahullah dit, cela montre l'erreur de ceux qui attribuent de manière générale l'ignorance à notre époque, en disant l'ignorance de ce siècle. Non. Il y a des gens qui jusqu'à présent, ils te disent, on vit dans la jahiliya. On vit dans la jahiliya. Alors que la jahiliya a pris fin avec l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, elle est devenue relative. Elle se trouve seulement dans certains endroits, chez certains gens et comme ça. Mais pas l'absolu, la grande jahiliya. Celle-là, elle est partie avec le prophète, avec la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit que certains disent l'ignorance de ce siècle, il a dit qu'ils sont dans l'erreur. Je pense qu'il parlait par exemple de quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Jahiliyatul Qarnil Ushrin, Ta'lif Mohamed Qutb. Ta'lif Mohamed Qutb. C'est Mohamed Qutb qui l'a écrit. Mohamed Qutb a écrit un livre qui s'appelle L'ignorance du pour montrer que nous vivons. Yani, comme yani, fois les Arabes vivaient avant la venue du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui a écrit ce livre s'appelle Mohammed Qutb. C'est le frère de Sayyid Qutb. Le frère de Sayyid Qutb, très connu, yani, qui a le tafsir. Et que les yani, on dit de lui que vraiment, yani, il a fait. Celui-là, c'est son frère, il vit en Arabie Saoudite. Il a essayé là-bas comment dire, de propager les idées de son frère. Il n'a pas réussi là-bas, on lui a fermé toutes les portes. Mouhim, il est sur le même chemin, frère. Peut-être si ce n'est pas un plus. Preuve, il a écrit un livre, ça fait seulement des années, qui s'appelle L'ignorance du XXe siècle. Alors que l'ignorance du XXe siècle, il n'y a pas. Car maintenant, le prophète Aslam est venu. Il n'y a plus l'ignorance. Yani absolu. Il faut dire l'ignorance relative. Non. Et quand il pense du XXe siècle, il voulait te dire que yani, la plupart des gens ne sont pas musulmans, comme a dit son frère. Et que maintenant, ce n'est pas la peine d'aller aux mosquées. Les mosquées sont comme les églises. Comme ça qu'a dit son frère. Non. Il a dit, il n'y a pas de charia, il n'y a rien. On vit yani, comme des kofars. On est dans la jahiliya. Dans la jahiliya. El-Mohim. Le cheikh a dit, cela montre l'erreur de ceux qui attribuent de manière générale l'ignorance à notre époque en disant l'ignorance de ce siècle ou autre dans le même genre. Il serait plutôt correct de dire l'ignorance de certaines ou de la plupart des personnes de ce siècle. Comme ça, il faut dire l'ignorance de certains gens ou de la plupart des personnes de ce siècle. Le fait de généraliser n'est pas juste et n'est pas permis, car l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis fin à l'état d'ignorance générale. A mis fin à l'état d'ignorance générale. Taïb. Maintenant, on va parler, inshallah ta'ala, de al-fisq, la perversion. Al-fisq, la perversion. Littéralement, le mot fisq veut dire la sortie. La sortie. C'est pour ça qu'on a dit la fois passée que la souris, le prophète alayhi l'a appelée fouaïsiqa. Fouaïsiqa. Pourquoi? Elle sortait du. Dans la terminologie islamique,
il signifie la désobéissance à Allah Ta'ala. Le fisq, la perversion dans la sharia, ça veut dire désobéir à Allah Subhanahu Azza wa Jal. Il s'agit de totalement lui désobéir, comme c'est le cas pour le mécréant, ou bien partiellement, comme c'est le cas du croyant, commettant un grand péché. Ainsi, ce dernier est appelé pervers. Donc, elle fisque la perversion. Et on dit d'une personne qu'elle est perverse, soit parce qu'elle est kafir, le kafir, on peut dire de lui qu'il est pervers, ou bien il est musulman, il a fait un grand péché. S'il fait un petit péché, non. Mais s'il fait un grand péché, on dit de lui, il est quoi? Il est devenu pervers. À condition, bien sûr, qu'il savait que c'était un grand péché et qu'il l'a fait exprès, bien sûr. Et à condition aussi qu'il ne fasse pas le repentir. S'il fait le repentir, il a quoi? Il a annulé le péché. Le shir dit, il existe deux sortes de perversion. L'une qui fait sortir de l'islam, celle-là, c'est l'incrédulité. Naam. Ainsi, le mécréant est appelé pervers. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit d'Iblis. D'Iblis, qu'est-ce qu'il a dit? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ 18:50. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Et lorsqu'ils firent aux anges prosternés, Adam, ils se prosternèrent et Satan, qui était du nombre des djinns, était contre le commandement de son Seigneur. Ici, quand on traduit comme ça, excepté le djinn, excepté Satan, qui était du nombre des djinns et qui se révolta. Il n'y a pas le mot pervers, il n'y a pas le mot, comme en arabe. Il a dit en arabe, fasaqa, fasaqa. Il est devenu pervers. Il a iblis, kana min al-djinn, fasaqa. Il a dit, excepté Iblis, qui était du nombre des djinns et qui a perverti, ou laissé perverti, en refusant le commandement de son Seigneur. Tu as dit maintenant, il se révolta. Donc, une preuve qu'il est devenu pervers, vous avez compris. Il fallait traduire avec le mot fesera. Il est devenu pervers. Al-Muhim. Cette perversion de sa part d'Iblis fut la mécréance. Allah Ta'ala a dit dans un autre verdit, وَأَمَّا الَّذِينَ فَأْوَهُمُ النَّارِ 32-20. C'est-à-dire, ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Le refuge sera le feu. Ou le feu. Donc, c'est sauf que le kafir, on peut dire de lui qu'il est pervers. Parce qu'il parlait ici, son refuge sera le feu. Ici, il vise les mécréants. Quelle est la preuve qu'il vise les mécréants? Peut-être qu'il parle des croyants. Le refuge sera le feu. Là, qu'il parle grand, c'est le même verset. Regardez ce que Allah Ta'ala a dit dans ce verset. Il a dit: Wa amma alladhina fasaqu fa ma'wahum an-nar kullama aradu yakhruju minha u'idu fiha lahum dhuqu 'adab an-nar alladhi kuntum bihi tukadhibun. 32:20. Regardez le verset, le contexte. Pour ceux qui auront été pervers, le refuge feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, on leur dira, goûtez au châtiment du feu, au lieu de croire. Donc, c'est une preuve qu'il parle des kofars. Quelle est la preuve? Il a dit, à chaque fois qu'ils vont sortir, ils y seront ramenés. Et c'est seulement le kafir qui ne sortira pas de l'enfer. Vous avez compris? Quant aux croyants, il sortira de l'enfer même s'il rentre à l'enfer. Mais le kafir, non. Il a dit, toutes les fois qu'ils voudront en dire, ils y seront ramenés. On va leur dire, goût au châtiment de Dieu, auquel vous refusiez de croire. Et aussi une autre preuve qu'il parle des kofars, il a dit à la fin du verset, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Que le croyant croit au feu. Il sait qu'il y a le feu, mais seulement il a fait des péchés. Ils ont dit, il n'y a pas de Jahannam. Quant aux musulmans qui désobéissent à Allah Ta'ala, il est également appelé pervers, quoique sa perversion ne le fasse pas sortir de l'islam. Donc il y a deux perversions, celle qui fait sortir de l'islam
et celle qui ne fait pas pour sortir de l'islam. Allah Ta'ala dit dans le Coran, regardez ce verset. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جِلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ 24:4. Et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire suite 4 fouettez-les 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là sont les pères. Ils parlent de qui? Pas des musulmans. Qui font quoi? Des accusations contre des femmes chastes. Ceux-là, on leur demande 4 témoins. S'ils disent le monde de Yahshua, on souhaite chaque 4 fouets. On leur dit, vous êtes maintenant des pervers. On accepte ce témoignage pour un mariage ou pour quelqu'un qui a jusqu'à ce que vous fassiez la tauba. Encore certains ont dit que on a fait la tauba à cause du verset que vous avez lu, car il a dit un peu plus haut, qu'est-ce qu'il a dit, et fouettez les 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Plus jamais. Mais alhamdoulilah que Al-Sunna, yani, une grande partie de savants ont dit que s'ils font la tauba, on accepte d'eux. Et ils ne deviennent plus pervers. Et remarquez bien ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset. Il a dit, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, ce n'est pas seulement contre des femmes, même contre des hommes. Si une femme dit d'un, elle dit celui-là il a fait zina. Ou bien un homme dit d'un homme, il dit celui-là il fait la zina. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Va ramener 4 témoins. Hein? Sinon quoi? Chacun de vous 4, ou de toi qui n'as pas ramené, on va te frapper 80 coups de fouet et tu es devenu pervers, deuxième chose. Et troisième, on va pas accepter ton témoignage. Donc c'est grave pour les gens qui facilement disent celle-là elle fait zina ou bien celui-là il fait zina. Et juste pour vous rappeler une chose qu'on a dite, rappelle car le profite aux croyants. S'il y a 4 personnes qui viennent chez le juge et ils vont dire on est venu à dire que par exemple telle femme ou bien tel homme par exemple à Fizine, par exemple, parce qu'il faut 4 témoins. Les 4 témoins vont être pris, chacun dans une chambre, pas tous à la fois. Et le juge va demander à chacun des 4 pour voir s'il y a concordance dans les informations qu'il rapporte. Ils doivent dire avec les détails les plus intimes, comme quoi il a vu le membre de l'homme dans le membre de la femme. Comme ça. Seulement, par exemple, j'ai vu un homme, par exemple, sur la femme, comme ça. Sans pouvoir dire, j'ai vu le membre dans le membre. Il sera fouetté. Donc, vous voyez que c'est pas facile. Quelqu'un va dire, oui, mais je les ai vus. Qu'est-ce que tu les as vus? Je les ai vus, tous les deux, ils étaient nus. Et ils dormaient ensemble dans le... Dormaient ensemble. 80 coups de fouet. Oui, je l'ai vu sur elle. 4 fouets. Qu'il soit sur elle et qu'il ne faisait pas cette chose. Vous avez compris? Un homme peut être sur sa femme, il ne fait pas la chose. Il est en train, je ne sais pas, d'embrasser ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est très grave. Et chacun, seul dans la chambre, il donne les informations. Naam, chacun. Si l'autre, il se trompe seulement, il dit l'homme était de ce côté, la femme de l'autre. Ou bien la femme portait tel vêtement et l'autre il dit non, elle ne portait pas. Ou bien l'autre il dit elle portait tel vêtement sur la poitrine noir. L'autre il dit non, blanc. Ou bien je ne sais pas quoi, culotte noire. L'autre il dit noir, l'autre il dit blanc. C'est grave. C'est grave pour les 4. C'est pour cela que en islam, quelqu'un qui va dire que X est un zani ou bien Y est une zania, vraiment celui-là il est fou. Sauf quoi? Sauf quoi? Sauf si c'est maintenant comme de nos jours, A'oudou Billah, par exemple, les films pornographiques. Celui-là,
C'est pas il y a quatre témoins. Il y a 2 millions et 10 millions de témoins qui ont vu ça. Et encore, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, parce qu'il a parlé de ça, il faut être sûr que ce n'est pas trafiqué. Maintenant, avec le trafic qu'il y a, vous savez que n'importe quelle femme, on peut la montrer en train de faire la zina. Alors que peut-être c'est pas vrai. Non. Donc c'est très, 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 très dangereux de dire d'un musulman ou d'une muslima, il a fait la zina. Vite, on te penche le juge et il te dit, va ramener trois autres qui ont vu yani, ce que j'ai raconté tout à l'heure, avec tous les détails, tous les détails. Non. Sinon, chacun 80 coups de fouet, vous êtes des pervers et, et quoi? Et on va plus accepter vos témoignages. Maintenant, les gens, mesakin, les gens, les frères, les sœurs, les djouhels, les musulmans, les... Non. Juste s'ils voient quelqu'un qui a enlacé une femme dans un jardin ou bien en train de l'embrasser, il va dans le quartier, il dit, je les ai vus en train de faire zina. Ou bien il dit, attention à cette sœur ou à cette femme, je l'ai vue dans un jardin en train de faire zina. Ou laisse une zania. Comme ça, directement. Pourquoi? Il ne sait pas miskin, c'est un miskin. Il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire zani, zania. Il ne sait pas miskin. Il ne sait pas, il croit que embrasser la saisine. Non, il ne sait pas. Un moyen, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous apprendre. Hein? Apprendre. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Oui. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans un autre verset, en parlant de perversité, il a dit, Al-Hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihin al-Hajj, fala wala fusuqa wala jidala fi al-Hajj, 297. Il a dit, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de rapport sexuel, point d'adversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Il a dit, point de perversité. Donc le musulman peut faire de la perversité. Il peut même faire de la perversité dans le Hajj. C'est pas seulement chez lui, quand il est chez lui, mais aussi dans le Hajj. Les saints interprètent la perversité. Non. Interpréter, perciter. Ok. Cité dans le verset par les péchés. Voilà. Ibn Taymiyyah, page 278. Ça coupe. Alhamdoulilah. Et doucement, doucement. D'ailleurs, on va s'arrêter, inshallah ta'ala, ici. On a parlé donc de quoi? De l'anti-islam, le jahiliya, et on a parlé de la perversité. A dit que là, c'est divisé en deux, celle qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Et on a dit qu'il y a été terminé la venue du sallallahu alayhi wa sallam, devenue relative seulement. Seulement certaines personnes ont de la jahiliya ou bien certains pays ont de la jahiliya et comme ça. Naam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Donc la première question est, cher, question d'un frère qui dit, Ahsan Allah ilaykoum, cher, vous avez dit que l'ignorance absolue a disparu depuis l'arrivée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour les populations éloignées, n'ayant jamais entendu parler de l'islam, on entend souvent dire que pour ces gens, un prophète leur sera envoyé le jour du jugement dernier et leur sort sera décidé selon s'ils suivront ou non ce prophète. Je voulais savoir sur quel délil se basent les savants pour avancer cet avis. Je ne comprends pas cet avis car on sait tous que le dernier des prophètes est notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pouvez-vous m'éclairer, min fadlikum cheikh, wa barakallahu fikum wa hayakum Allah. Une seconde, inshallah ta'ala, je vais te ramener un hadith bi'idna ta'ala. Une seconde. J'ai essayé d'afficher un hadith. Dites-moi si c'est affiché. Si c'est affiché. Alhamdoulilah. Bon, donc je ne l'ai pas en arabe, je le dis en français. Je ne l'ai pas en français, je le dis en arabe. Donc avant cela, je voudrais dire que l'âme, le frère qui a dit je ne comprends pas. Ou la sœur qui a dit, je ne sais pas, qui a posé la question, qui a dit je comprends pas, yani, comment le prophète, d'un côté c'est lui le dernier des messagers, et de l'autre il y aura un autre messager, Yawm al-Qiyamah. Naam, pas de contradiction.
Celui qui a dit, je serai et je suis le dernier des messagers, lui-même a dit, il y aura un autre, naam, il y a un autre messager qui va venir, Yom al-Qiyamah, mais celui-là, c'est spécialement pour certaines catégories de gens, entre autres ceux qui ont vécu comme dans l'Amazonie, etc., comme tu l'as dit toi. Et le prophète, quand il a dit, je suis le dernier des messagers, ça veut dire ici sur terre. C'est vrai ce qu'il a dit. Personne ne viendra après lui comme prophète ou messager. Mais Yom al-Qiyamah, c'est tout à fait une autre chose. Et le messager que Allah Ta'ala va envoyer, le Rasoul, ce n'est pas yani un Rasoul pour tout le monde. C'est seulement pour certains gens. Et spécialement pour quatre catégories de gens. Le prophète a dit, comme c'est dans le hadith qu'on vient de... Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Écrivez numéro 1 si vous m'entendez. Alhamdoulillah. Donc il a dit, Arba'atun, yahtajjuna yawm al-qiyamah. Quatre personnes, c'est-à-dire quatre genres de personnes, vont yawm al-qiyamah essayer de yani, débattre pour avoir raison. Rajulun asam, un homme et une femme bien sûr aussi, naam, qui n'entendaient pas. Rajulun ahmaq, un homme qui ne comprenait pas les choses, qui était yani, comme on dit, quelqu'un, un sot. Non, qui a perdu la raison. Rajulun Harim, quelqu'un qui était vieux, au point où il ne comprenait plus aussi les choses. Rajulun Mata fil Fatra, et un homme qui est mort dans une période où il n'y avait pas de messager. Fa'amma al-Asam. Alors, celui qui n'entendait pas, il va dire, Ya Rabbi, laqad ja'a al-Islam wa ma asma'u. Ya Rabbi, l'Islam est venu et je n'ai rien entendu. Non, car j'étais quoi? J'étais un sourd. Quelqu'un qui n'entend pas. Donc, je n'ai pas entendu de la venue de l'islam. Tayyib. Amma al-ahmaq. Celui qui était sot. Sot. Naam. Comme on dit, attardé mental ou quelque chose comme ça. Il va dire, Rabbi, qad jaa al-islam, wa sibyan yahdifunani bil bahr. Ya Rabbi, l'islam est venu alors que les enfants me frappaient. Naam. Et les excréments des chameaux, etc. Les excréments des brebis, des moutons, etc., les petites boules comme ça. Il a dit, il me frappait. Ça veut dire que vraiment, j'étais, yani, je ne raisonnais pas du tout. Non. Ensuite, El-Harim, le vieillard. Le vieillard vieux au point où il savait plus ce qu'il disait. Il a dit, Rabbi, laqad jaa al-Islam wa ma aqil. Ya Rabbi, l'islam est venu alors que je n'avais pas de raison. Wa amma alladhi mata fi fatra, alors que celui qui est mort. Dans la période où il n'y avait pas de prophète, il va dire, Rabbi, ma atani laka rasoul. Ya Rabbi, quant à moi, yani, aucun messager n'est venu me voir. C'est-à-dire, il n'est ni sourd, ni attardé mental, ni vieillard. Mais il va essayer d'établir la preuve en disant que aucun messager ne m'est venu. Comme maintenant ceux qui habitent, par exemple, dans l'Amazonie, si vraiment il y en a ce qu'on appelle les cannibales, etc. فيأخذ مواثيقهم. الله سبحانه وتعالى va prendre لا يطيعنه que يعني ils vont lui obéir. Alors il va leur envoyer un rasoul, un messager, qui va leur dire entrez au feu, entrez au feu. Si vraiment يعني, vous croyez en moi et pour vous je suis un messager, alors entrez au feu. Il a dit فوالذي نفسي بيده, je jure par celui qui détient mon âme. Là, s'ils étaient entrés au feu, lorsqu'il leur a dit entrer au feu, alors ce feu serait devenu quoi? Burden yani, froid et aussi n'aurait pas fait mal. Et aussi n'aurait pas fait mal, ne les aurait pas brûlés. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, en parlant de ce hadith, il a dit. Il a dit, Sahih, regardez, Silsila Sahih à 1434 et Ta'liq à la Raf' al-Astar, page 113. Donc le hadith est clair et authentique et, Inch'Allah Ta'ala, il n'y a aucune contradiction entre le fait qu'il soit le dernier messager sur terre et qu'il y aura là-bas yani, d'autres messagers qui seront envoyés dans une catégorie de gens qu'on va voir, bi'idhnillah Ta'ala. Tout cela pour que vous sachiez quoi? Pour que vous sachiez que Allah Ta'ala jamais, 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 il ne lèse quelqu'un. Jamais il ne fait du tort à quelqu'un.
Et jamais il ne va faire entrer une personne en enfer alors que un messager lui est pas venu. Ou alors qu'elle était folle, cette personne. Qu'elle avait perdu la raison. Ou alors qu'elle était jeune, pas encore pubère. Ou alors vieillard qui a perdu la raison. Jamais Allah Ta'ala ne fait rentrer une personne en enfer jusqu'à ce que la personne reconnaisse qu'elle était dans la faute, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc aucune personne ne peut établir la preuve sur Allah Azza wa Jal. Naam. Tfadl. Une seconde. Hein. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit, et donc si le frère n'a pas compris la réponse, qu'il le fasse savoir, inshallah. Une autre question d'une sœur qui dit, Assalam, Hayakum Allah, cher, que répliquer à une personne qui utilise comme preuve verset de Sourate An-Nisa, Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Voilà ceux de qui Allah accueille le repentir, et Allah est omniscient et sage. Donc, enfin, je vous mets le verset, cher. Donc, cher, que répliquer à une personne qui utilise ce verset comme preuve pour certifier qu'Allah ne pardonne que les péchés commis en ignorant que c'est un péché? J'ai donné des fatawas de Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, et d'autres preuves qui démontre sa théorie, mais rien n'y fait. La personne persiste à dire, il ne faut pas être niais pour pas pour il ne faut pas être net pour pas comprendre ce verset. Allah ne pardonne qu'à ceux qui ne savaient pas. Barakallahu fikoum, cheikh. Pour dire la vérité, je n'ai pas compris ce que veut dire la personne. Non, je n'ai pas compris ce que veut dire la personne. Est-ce que toi tu as compris? Résume-moi, barakallahu fik. Donc en fait, cher, dans ce verset, il est dit qu'Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui se repentent après, donc après avoir connu que c'est un péché. Et donc la sœur a dit qu'il y a une personne qui dit qu'Allah n'accueille le repentir que de ceux qui le font par ignorance. Donc si une personne fait un péché alors qu'elle sait que c'est un péché, Allah ne va pas lui pardonner. La sœur a dit qu'elle a ramené des paroles de Cheikh Ibn Uthaymeen, entre autres, rahimahullah, qui prouvent le contraire. Donc il explique le contraire. Mais la personne dit, le verset est très clair et donc ça ne sert à rien de dire telle ou telle chose. Le verset est suffisamment clair et donc il faut l'appliquer comme il est dit clairement. Je ne sais pas si vous avez compris, cher. Une seconde, je cherche un verset. Premièrement, on dit à cette personne, premièrement, on lui dit, personne en islam n'a le droit de comprendre les versets comme il veut lui. Il doit les comprendre comme l'ont expliqué les savants. Tu n'as pas le droit de comprendre comme tu veux. Mais tu comprends comme l'ont expliqué les savants. La preuve, ce verset que cette personne a cité, va lui dire, puisque Allah a dit. Alors, demandez aux savants, viens voir ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymeen sur ce savant. Il a dit, ce n'est pas par ignorance, mais c'est par manque de pratique. Manque de pratique. Tayyib. Premièrement, deuxièmement, une seconde. Deuxièmement, on dit à cette personne, Allah Ta'ala a dit, donc d'après toi, on va lire le verset, Allah Ta'ala a dit qu'il accueillait, il accueillait le repentir de ceux qui font le mal par ignorance. Par ignorance. Dis-moi, barakallahu fik, comment se fait-il que je doive me repentir d'une chose que j'ai fait par ignorance? Ça, il n'y a pas en islam. Je me repens d'une chose que je fais exprès. Si c'est par ignorance, ça s'appelle l'ignorance. Il n'y a aucun mal à cela. Et le prophète, a dit dans un hadith authentique, « Inna Allah rafa'a an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriwa alayh » Que Allah Ta'ala a levé de ma nation, c'est-à-dire qu'il ne châtie pas pour le fait de se tromper. Naam, initienne, le fait d'avoir oublié. Et la contrainte. Donc ici, j'ai fait une chose par khata. J'ai fait une chose par faute. Par ignorance. Le hadith est clair que Allah Ta'ala, yani, ne châtie pas pour cela. Donc, Allah Ta'ala n'est pas en train de parler de cela. Il est en train de parler d'autre chose.
Ensuite, celui qui a dit ce verset, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui a dit cet autre verset, celui-là. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ce qui donne en français, ce qui donne en français, on va voir ce que ça donne. Ô mes serviteurs, dis à Mohammed, ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas, car Allah pardonne tous les péchés, tous. Non, Allah ne pardonne pas seulement les péchés qu'on fait avec ignorance. Il a dit, il pardonne tous les péchés. La preuve, vous avez commis des excès. Celui qui commet des excès, ça veut dire il sait ce que c'est. C'est un péché, il le fait, il le fait, il le refait, il le fait, il le refait. Des excès. Et c'est contre toi, à ton propre détriment. Malgré cela, Allah Ta'ala te dit, écoute, ne désespère pas de la miséricorde. Non, je pardonne tous les péchés, tout. En arabe, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Jami'a, c'est la globalité. Min alfaz al-umum. Ça veut dire celui qui dit que Allah Ta'ala ne pardonne pas tel ou tel péché, on lui dit, tu es un menteur. Donne un délil. Allah a dit, il pardonne tous les péchés. Donne un délil qui ne pardonne pas ce péché. Non, et comme ça. Tfadhal. Barakallah fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui dit Hayakum Allah. Donc, la question est de son mari qui est donc présent qui dit je regardais une vidéo sur l'enfer et je me suis mis à pleurer de crainte. Et le cheikh dans cette vidéo a dit le jour de la résurrection, les gens diront ô messager d'Allah, aide-nous. Au même moment, je pleurais par crainte d'Allah Azzawajal. Je me suis mis à lever les mains et à répéter ce que le cheikh disait, et j'ai dit Ya Rasulullah. Et plus tard dans la journée, je me sentais mal et j'ai encore répété Ya Rasulullah. Par la suite, j'ai fait Tawba. Je voulais savoir si j'ai fait un acte de shirk qui m'a fait sortir de l'islam. Éclairez-moi car je ne suis pas bien depuis cet acte. Barakallahu fikoum, cheikh, qu'Allah vous récompense. Afoun, il y avait des choses qui sautaient. Est-ce que c'est possible de répéter? Il y avait des sursauts. Tfadhal. Ou là, des sauts, ou là, comment ça s'appelle? Non, cher. Donc la personne dit qu'elle regardait une vidéo sur l'enfer et elle s'est mise à pleurer de crainte de l'enfer. Et Shir dans cette vidéo disait, le jour de la résurrection, les gens diront, il y a des coupures, fou. Ou tu entends? Alhamdoulilah. Donc, cher, dans la vidéo, le cheikh a dit, le jour de la résurrection, les gens diront, Oh Allah, non, ô messager d'Allah, aide-nous, Ya Rasulullah, aide-nous. Au même moment, je pleurais par crainte d'Allah Azzawajal. Je me suis mis à lever les mains et à répéter ce que le cheikh disait, et j'ai dit, Ya Rasulullah. Et plus tard dans la journée, je me sentais mal et j'ai encore répété, Ya Rasulullah. Par la suite, j'ai fait Tawba. Je voulais savoir si j'ai fait un acte de shirk qui m'a fait sortir de l'islam. Éclairez-moi car je ne suis pas bien depuis cet acte, cher. Qu'Allah vous récompense. Naam. En fait, je ne comprends pas pourquoi les gens, naam, croient que comme ça, facilement, on peut sortir de l'islam. L'islam, on ne sort de lui qu'après avoir décidé, yani, de faire les choses qui font sortir de l'islam. Ce n'est pas si une phrase sort de moi, sort de ma bouche alors que je ne voulais pas dire cette. Ou que je l'ai dite dans un état que je disais comme ça. Non, la preuve, c'est que la personne a vite regretté et a dit que c'est pas ce que je voulais. J'ai dit ça seulement par. J'étais chaud comme ça, hein, en train d'écouter. Naam. Moussa alayhi salam, notre prophète Moussa alayhi salam, dans un état de colère, a jeté quoi? A jeté la Torah. Est-ce qu'il est devenu kafir? Non, pourquoi? C'est dans un état. Où il ne savait pas ce qu'il faisait, la colère était tellement grande. La personne peut être dans un état d'esprit où yani, elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait. Une personne a dit, Ya Allah, tu es mon serviteur, et je suis ton Seigneur.
Et le prophète a dit, elle s'est trompée de grande joie, tellement elle était dans une grande joie qu'elle a dit cette phrase. Et Allah Ta'ala lui a pardonné. Allah Ta'ala lui a pardonné. Dire à cette personne, si tu dis, ou alors c'est venu, c'est sorti tout seul de ta bouche sans le vouloir, ou alors c'était pas ce que tu voulais dire, tout cela ne fait pas sortir de l'islam, bi'idhnillahi ta'ala. Tout cela ne fait pas sortir de l'islam, et on sort pas comme ça facilement de l'islam alors qu'on veut pas sortir. Alhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah. Suite, supposons seulement, seulement par supposition, on suppose, c'est tout. Supposons que je sois sorti de l'islam. J'y rentre. Je dis à Oudblin, Ya Rabbi, pardonnez-moi, je suis rentré dans l'islam, c'est tout. Ya Allah, je me suis trompé. Ya Allah, pardonnez-moi. Ya Allah, j'ai fait une faute. Ya Allah, je ne vais plus recommencer. Et Allah Ta'ala me pardonne, bi'idhnillahi Ta'ala. Ça, c'est dans le cas où je suis sorti. Mais je dis à Allah, Inch'Allah Ta'ala, qu'elle n'est pas sortie parce que je vous rappelle seulement qu'il n'y a personne au micro. Cher, en fait, quand vous étiez en train de répondre, ça a coupé. Donc vous aviez fini la question et nous, on a eu une petite partie qui est arrivée avec du retard. Et en fait, on n'a pas très bien compris la fin. Donc, même si vous pouvez répéter, cher, par Allah, fécond. Je disais que, alhamdoulillah, on ne sort pas de l'islam comme ça facilement. Naam, en se trompant et en disant une chose qu'on voulait pas dire. C'est pas comme ça qu'on sort de l'islam. Naam, le péché, ce n'est pas comme ça en islam. Le péché, c'est que, yani, on veut faire le péché. Et ce n'est pas une phrase qu'on dit sans le vouloir. Naam. Comme j'ai dit, j'ai cité la personne qui a dit, Ya Allah, anta rabbi wa ana abduk. Afwan, ta abdi wa ana rabbuk. Il a dit, Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Et pourtant, il n'est pas devenu capable. Pourquoi? Il a fait autre chose. Naam. La personne ici a dit cette phrase, Naam, sans connaître sa portée. Sans connaître sa portée. Le maximum, c'est qu'elle dise, pardon. Qu'elle demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et d'istaghfirullah. Elle n'est pas sortie de l'islam, bi'idhnillah ta'ala. Barakallahu fikoum, cher. On a plus ou moins bien compris, mais je pense que vous devez ressortir et revenir, Inch'Allah, parce qu'il y avait des petites coupures à la fin, cher. J'ai pas compris qu'est-ce que tu as dit, barakallahu fik. À la fin, cher, il y avait des petites coupures. Et donc, si vous pouvez sortir et revenir, Barakallahu fikoum, cher. Salam alaikum, tfaddal. Cheikh Afouane, si vous pouviez faire une petite précision sur ce que vous venez de dire, à savoir lorsqu'un musulman sort de l'islam, comment il doit faire pour rentrer en islam, cher? Est-ce que comme beaucoup de personnes le pensent, il doit aller faire le ghusl, donc refaire la douche, reprononcer la shahada, etc., ou la tawba suffit? Barakallahu fikoum, cher. Naam, la plupart des savants ont dit que la Tawba suffit. Naam, on dit parce qu'il était déjà musulman, que la Tawba lui suffit. Certains ont dit, yani, il refait l'attestation. Mais sinon, la plupart ont dit, seulement la Tawba sincère lui suffit, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlat. Barakallahu fikoum, cher. La sœur qui a posé la question tout à l'heure sur le verset de Sourate An-Nisa. Donc, elle demande que faire lorsque c'est un proche parent et qu'il ne veut pas comprendre, donc il ne veut pas entendre cette parole de Cheikh Ibn Uthaymeen ou des autres savants. Barakallahu fikoum, cher. De même, s'il ne veut pas entendre la parole, l'explication que vous nous avez faite maintenant.
Comment doit-elle se comporter, sachant que c'est un proche parent? On n'a rien à faire. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De le guider. Et si jamais il repart du problème, on reste toujours yani, sur la même position. En lui montrant que, Naam, smahli, mais toi tu es en train d'expliquer le Coran comme tu veux toi. Naam. Si vraiment tu étais sincère. Question suivante donc, Cher. Question d'un frère qui dit: Cher, dans le cours d'aujourd'hui, vous avez parlé de Saïd Qutb, alors que Cher Al-Albani, rahimahullah, a mis en garde contre lui. Est-ce que j'ai bien compris, Cher? Éclairez-moi, barakallahu fikoum. J'ai pas bien compris la question, il y avait des coupures. Tu as dit que j'ai parlé de Sayyid Qutb et que Cheikh Al-Albani a mis en garde. Mais il manque quelque chose dans la question, tfadhal. Naam, cher, vous avez bien entendu en fait. Et la personne veut juste savoir si c'est normal que vous ayez cité cette personne alors que Cheikh Al-Albani a mis en garde contre lui. Je crois que la personne n'a pas bien entendu ce que j'ai dit. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Alhamdulillah. Donc j'ai cité Sayyid Qutb. J'ai cité d'abord son frère Mohamed Qutb pour dire qu'il a suivi le même chemin d'égarement de son frère Sayyid Qutb. Donc c'est ce que j'ai dit. J'ai dit Sayyid Qutb était dans l'égarement. Et celui-là, son frère Mohamed Qutb, a suivi le même chemin que son frère, yani malheureusement. Et il a écrit un livre qui s'appelle yani Jahiliyatul Qarn al-Ashrin, l'ignorance du 20e siècle. Alors que les savants ont dit, on ne doit pas dire comme ça. Donc, ce malheureux aussi a suivi le chemin de Sayyid Qutb, que les savants ont dit que, pas seulement Cheikh Al-Albani, Cheikh Al-Albani rahimahullah, au contraire, même s'il a dit de lui qu'il était loin, mais il a dit que. Il lui a trouvé l'excuse que c'était seulement quelqu'un de qui a étudié la littérature. C'est tout. Il a dit c'est pour ça qu'il s'est trompé, qu'on n'est pas la charia. Par contre, Cheikh Rabia, Hafidhahullah, et les autres, les grands, et Cheikh Fawzan, et Cheikh Naam, même Cheikh Ibn Uthaymeen, ceux-là ont dit que vraiment il était dans l'égarement total. Il a dit l'unicité de l'univers. Naam. Tawhid l'Oujoud. Naam, il a critiqué certains messagers, comme Moussa alayhi salam. Il a critiqué Muawiya. Il a critiqué un autre sahabi, radiyallahu ta'ala anhu. Naam, il a fait beaucoup, beaucoup de fautes. Il a critiqué Uthman ibn Affan. Naam, il a fait beaucoup de fautes. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonner. Tfadhal. Amin. Barakallahu fikoum, chère. Question suivante d'une sœur qui dit: Cher, quand j'étais plus jeune, dans mon île natale, beaucoup d'entre nous ne savaient même pas que l'islam existait comme religion. Aujourd'hui, cela reste encore possible dans quelques endroits isolés de mon île. Cher, est-ce une forme de jahiliya pour ces personnes? Est-ce que ces personnes mortes sans savoir que l'islam existe auront-elles les questions dans la tombe? Barakallahu fikoum, cher, wa jazakumullahu khairan. Attention, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a même juré, par celui qui détient mon âme, qu'il n'y a pas un juif ou un chrétien, âme, qui entende parler de moi sans me suivre, sans qu'il n'aille en enfer. Âme, pas un juif ni un chrétien, il n'entende parler de moi, ensuite ne me suit pas, sans qu'il n'aille en enfer. Ça veut dire qu'il ira en enfer. Âme. Nous, on parle de quoi? De gens vivant dans un endroit où vraiment, yani, on entend, il n'y a pas, comme on dit, de communication. Vraiment, ils n'ont jamais entendu de quelqu'un qui s'appelle Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que de nos jours, par exemple, la plupart des gens, même les kofars, d'ailleurs, ils l'appellent Mahomet, ils disent comme ça, Mahomet. Non. Ça veut dire qu'ils savent que c'est un prophète envoyé, et seulement il ne veut pas reconnaître. Il ne veut pas reconnaître qu'il a été envoyé pour tout le monde. Ou bien ils disent qu'il n'a pas été envoyé du tout. Celui-là, ce n'est pas un prophète, pas un vrai, c'est un menteur.
Astaghfirullah. Ils disent quoi? Il a été envoyé seulement aux Arabes, pas à nous. Naam. Ceux-là, bien sûr, ils n'ont pas d'excuses. Sauf que Cheikh Al-Albani, rahimallah, a dit que, yani, si vraiment, 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 ils n'ont pas entendu de lui comme il fallait entendre. Que c'était un prophète, que c'était quelqu'un de bien, et quelqu'un de généreux, et quelqu'un de fiable, et quelqu'un de qui aime le bien aux gens, et quelqu'un, il a dit, peut-être qu'une personne comme ça, qui n'a entendu de lui que du mal, que c'était quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait les. Même, astaghfirullah, certains ont dit qu'il aimait les enfants, et que. Des choses horribles à entendre. Peut-être, peut-être qu'une personne pareille, peut-être qu'elle sera. Yani, jugé, yani, Yom al-Qiyamah, comme dans le hadith qu'on a cité tout à l'heure, des quatre. Les quatre et les trois premiers qui ont dit, on n'a pas entendu de l'islam. Wallahu alam, sinon le hadith est clair, que toute personne qui a entendu de lui n'a pas voulu le suivre, qu'elle ira en enfer. Wal-iyadu billah. Qu'Allah nous en préserve, cher. Question suivante, et plutôt, j'ai regroupé plusieurs questions, cher, qui sont dans le même rapport, qui ont tout le même rapport, cher. Donc, à savoir, cher, pouvez-vous nous éclairer sur la signification exacte de zina? De la zina, puisque vous avez dit, si je ne me trompe pas, que le fait d'embrasser une personne, ce n'est pas de la zina. Barakallahu fikoum, cher. Et comment doit-on se comporter? Et comment doit se comporter le musulman face à une personne qui accuse une croyante de zine? Barakallahu fikoum, cheikh. D'abord, je suis très content, alhamdoulillah, que toutes les questions sont sur la aqida, alhamdoulillah. Ah, on est aux questions du cours. Alhamdoulillah. Est-ce que la personne, parce qu'il y avait toujours des coupures, la personne voulait savoir c'était quoi dans la charia, c'était quoi quand on dit zina, c'est ça? Reprends-moi si je me suis trompé. Naam, cher, c'est bien ça. Et la personne veut savoir alors comment on doit se comporter quand on entend des personnes accuser d'autres de zina, accuser une croyante de zina. Et comment doit-on interpréter toute personne qui font pratiquement tout sauf ce qui est considéré comme la zina? Non, quand on entend quelqu'un, vous m'entendez, quand on entend quelqu'un, une autre personne, vous m'entendez? Alors je me suis déconnecté. Alhamdoulilah. Si on entend quelqu'un dire d'une autre personne qu'il a fait la zina, que ce soit un homme ou une femme, on doit lui dire Taqillah subhanahu wa ta'ala. Pas plus tard qu'hier. Je discutais avec quelqu'un, il a dit cette phrase. Il a dit en parlant d'une femme, disons, d'une jeune fille qui habite ici dans le quartier. Il a dit d'elle que non seulement il a dit c'est une zania, il a dit c'est une baria. Je lui ai dit, tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'as pas dit seulement qu'elle est une zania, tu as dit que c'est une femme de joie, c'est-à-dire qui travaille dans cela. Qui fait cela avec l'argent. Je lui dis, ça c'est vraiment grave. Je lui dis, Zania, déjà tu peux pas le dire. Et je lui ai un peu expliqué ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour dire d'une personne que c'est un Zania ou c'est une Zania, il faudrait que vous soyez au moins quatre à les avoir vus en train de faire le rapport. Quatre personnes au moins. Et qui c'est ces quatre? Qui c'est ces quatre? Des gens qui boivent. Qui ne font pas la prière, non, non. Des quatre qui remplissent les conditions. Des pieux. Qui prient à l'heure, qui ont la barbe, qui ceci. Non. Des quatre. Et que ce ne soit pas encore des femmes. Donc qui aillent quoi? Qui vont témoigner, non, qui vont témoigner qu'ils ont vu telle femme qu'ils accusent ou bien tel homme en train de faire le rapport intime. En train de faire le rapport intime. Hein? Donc, on vient maintenant à autre chose. Si jamais, on voit une personne faire toute chose sauf le rapport intime, c'est quoi son jugement?
On dit de cette personne, l'âme c'est quoi? C'est une perverse. La personne en faisant ainsi est devenue perverse. Elle a fait quoi? Elle a fait un grand péché. L'âme. Mais, c'est-à-dire qu'elle a fait la zina. On dit d'elle que cette personne a fait tel et tel haram, mais n'a pas fait la zina. Car même si tu l'as vu en train de faire la zina, tu ne peux pas dire. Il manque trois personnes avec toi pour témoigner. Mais tu dis que cette personne, il faut prendre garde d'elle. C'est une perverse, bi'idhnillahi ta'ala. Fadlan. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur qui demande par rapport au cours de la semaine dernière. Elle dit que vous avez parlé d'hypocrisie. Donc, afoune, j'ai coupé parce que je voulais dire une chose. Je voulais dire une chose, et surtout que la deuxième question, la nouvelle, parlait d'hypocrisie. Je voulais terminer dans la zine dans laquelle on parlait, plus la Ta'ala nous préserver. Regardez en islam, c'est étonnant. C'est étonnant en islam. Tu as vu une femme, ou un homme, ou un couple. Tu étais par exemple dans la chambre et tu as vu par exemple par le trou de la serrure. Non. Ou alors tu as une caméra et tu as vu, il ne savait pas qu'il y avait la caméra dans la chambre. Subhanallah, tu as vu en train de faire le rapport intime. Et pourtant, tu n'as pas le droit de dire ils ont fait la zina. Et si tu dis ils ont fait la zina, on te dit espèce de menteur, comme ça on dit, espèce de pervers, tu es devenu pervers, espèce de menteur. Et je vais appeler le juge et déposer plainte, il va te fouetter 80 coups de fouet. Subhanallah l'adim. Tu vas leur dire, Subhanallah l'adim, je suis un menteur. Wallah l'adim, je jure par celui qui m'a créé, qui a créé les cieux et la terre, qui a créé le monde, le Seigneur des mondes, que je les ai vus. On te dit, tais-toi, espèce d'ignorant, tais-toi. Il faut pas dire, si tu dis ça, il y a le juge qui t'attend, tais-toi, espèce d'ignorant. Non, il faut pas que tu dises ça. Il ne sait pas, mesquine. Il va dire, comment, vous ne me croyez pas? Eh, ce sont des fous. Ils veulent pas me croire. Ce sont des fous, ceux-là. Ils me prennent pour un menteur. Mais mesquine, il ne connaît pas la charia. Il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il doit se faire? Motus. Non. Il doit mettre du scotch sur sa bouche, sur ses lèvres, s'il veut pas trois choses. Être considéré comme menteur, être pervers et être fouetté 80 coups de fouet. Donc, subhanallah, en islam. Tu vois des choses et tu dois te taire tellement, tellement c'est grave. Car si c'était permis à n'importe quelle personne, sans ramener les quatre témoins, et dire j'ai vu des gens X et Y en train de faire la zina, alors tout le monde serait accusé de zina. Tout le monde. Seulement ils la voient en train d'embrasser, ils disent là ils ont fait la zina. Ils les voient nus, ils disent ils ont fait la zina. Et toutes les familles seraient accusées de zina, l'aïdou billah. Comment qu'ils s'en vantent? J'ai pas compris. Tfadlal. C'est lui qui dit partout en fait qu'il l'a fait. Yajhar bil ma'siya, cher. Ah, ça c'est intéressant. Si une personne dit j'ai fait la zina et que cette personne n'est ni folle, ni enfant, qui n'est pas pubère, ni attardé mental, une personne normale, hein, qui dit j'ai fait la zina, Cheikh Ben Outaymine a dit, il y a de deux choses l'une. Ou bien, on lui dit répète la phrase quatre fois, comme a fait le prophète avec Maïs, qui est venu lui dire j'ai fait la zina. Il fait semblant de ne pas l'entendre. Il dit peut-être tu es faux. Il dit j'ai fait la zina. C'est la zina. Peut-être que tu as seulement, comme on dit, joué avec elle. Il dit, j'ai fait la zina jusqu'à ce qu'il ait dit quatre fois. Comme ça dit Cheikh Ben Outaymine. Ou bien, on lui dit, répète quatre fois. Ou bien, il a dit, il y a le deuxième avis qui dit, on accepte même si c'est une fois. Pourquoi? Car il a dit beaucoup d'autres gens. On dit, j'ai fait la zina, il n'aura pas dit répéter quatre fois. Il a dit, une seule fois, ça suffit. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymeen a résumé, il a dit, comment qu'on va faire? On va voir, si on va lui demander quatre fois ou bien une fois. Si on est sûr que la personne, on sait ce qu'elle dit, il dit une fois, ça suffit. Si elle dit j'ai fait la zina, non, khlas, on sait qu'elle a fait la zina. Mais si on a des doutes sur la personne,
Peut-être qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de dire. Peut-être qu'elle dit n'importe quoi. On lui fait répéter quatre fois. Vous avez compris? Donc, une personne, si elle dit j'ai fait la zina, c'est elle qui a reconnu la zina. Naam. Donc, c'est permis de dire que telle personne est un zani ou bien zaniya. Pourquoi? Parce que lui-même a reconnu. Et quand il a reconnu comme ça en islam, on va, yani, faire sur lui le commandement d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire, s'il est célibataire, il ne s'est jamais marié, on va le fouetter sans coup de fouet et l'éloigner du pays où il a fait la zina. Certains, comme Cheikh Ben Outaymine, si on l'éloigne, on l'éloigne dans un autre pays où il n'y a pas la zina. On ne va pas l'envoyer, par exemple, en Suisse, ou là en Suède, ou là en Allemagne, ou là en Angleterre, où tout est permis. On l'envoie dans un pays, par exemple, je ne sais pas où. Et encore au Zimbabwe, maintenant, il y a la zina partout. Donc, on va, Cheikh Ibn Othaymine dit, c'est permis de le mettre en prison. En prison, à la place de l'extradé du pays une année. Et maintenant, s'il s'est déjà marié dans sa vie, au moins une fois, marié, il a divorcé, ou là il est toujours marié, ou là sa femme est morte, ou là le Mohamed, il s'est marié. S'il s'est déjà marié dans sa vie, celui-là, lapidé jusqu'à la mort. Lapidé jusqu'à la mort. Non. Pour que vous sachiez, yani, c'est quoi Allah nous en préserver. Et ce qui est bien en islam, ce qui est bien en islam, si un homme dit j'ai fait zina, on n'a pas le droit de dire avec qui tu as fait zina. Car il a fait la zina, il l'a pas faite tout seul. Donc il a fait la zina avec une femme. C'est ça la zina. Et en islam, on ne lui demande pas avec qui tu as fait la zina. Non. Toi, tu as dit que tu as fait la zina, ça nous suffit. On va appliquer sur toi la loi d'Allah Azzawajal. Si maintenant tu fais la zina avec X en citant une femme, j'ai fait la zina avec X, Y en citant la femme, on va faire comme a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu lui dire que mon fils travaillait chez tel couple et il a fait la zina avec la femme de l'homme chez lequel il travaille. Qu'a dit le professeur? Parce que l'autre, l'homme, il a dit qu'on m'a dit que je dois donner, je ne sais pas, son mouton, etc. Il a dit non, c'est pas comme ça. Il a dit, je vais te montrer mon fils, on va le fouetter sans coup de fouet. Il doit quitter le pays. Ensuite, il a dit, Ya Ounais, à un sahabi, Ya Ounais, Urdo, il a le mara, va voir la femme qui a été citée ici, comme quoi son fils a fait la zina avec elle. Va la voir et demande-lui si elle reconnaît ou elle nie. Si elle reconnaît, applique sur lui la loi. Et Ounais est allé voir la femme et lui a dit, voilà, quelqu'un a dit qu'il a fait la zina avec toi. Est-ce que tu reconnais ou tu nies? Regardez, subhanallah al-azim. Est-ce que tu reconnais ou tu nies? Si tu nies, si elle danse, c'est pas vrai, il n'a pas fait la zina avec moi. Il revient vers le prophète Aslam et lui dit que elle est innocente. Entre parenthèses, même si elle a menti, parce qu'il ne sait pas. Mais si jamais elle dit j'ai fait, ils vont la lapider. Qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Elle a dit j'ai fait la zina. Subhanallah. Et on l'a lapidée jusqu'à la mort parce qu'elle était mariée. Subhanallah. Alors qu'elle aurait pu dire, j'ai pas fait. Et elle aurait sauvé sa peau. Subhanallah. C'est pour dire qu'en islam, si quelqu'un dit, j'ai fait la zina, on lui dit qu'il a fait. Si jamais il dit, j'ai fait avec telle femme, ou bien elle dit avec tel homme, on envoie quelqu'un, ou là le juge va faire présenter la personne, la deuxième, il lui demande seulement. Si elle dit c'est vrai, j'ai fait la zina, il applique sur elle la loi divine. Si elle dit non, j'ai pas fait, lui dit donc va chez toi, tu n'as pas fait, tu es innocent. Naam, tfadlal. Une sœur demande donc en précision. Donc, si une femme tombe enceinte sans être mariée et qu'il n'y a pas de témoin, donc on saura qu'elle a fait Zéna, c'est ça, cher?
Et cette femme sera-t-elle considérée comme fornicatrice? Donc, est-ce que le simple fait qu'elle soit enceinte suffira en islam? Tomber enceinte, vous m'entendez? Tomber enceinte. Anijay, d'accord. Tomber enceinte. Vous m'entendez? Alhamdoulilah. Tomber enceinte sans être mariée un des grands délits de la zina. Sauf bien sûr, avant de commencer pour dire à la personne qui a fait zina, on va commencer par lui dire qu'est-ce qui s'est passé, raconte. Peut-être qu'elle va dire que quelqu'un m'a agressé et m'a contraint. Il y a la contrainte. Hein? Deux ou trois personnes vont prendre la femme, ils vont l'enchaîner, ils vont faire zina avec elle et elle va tomber enceinte. Vous avez compris? Ou elle va dire on m'a mis un revolver sur ma tempe. Donc, on doit d'abord savoir, yani, comment cette grossesse est venue. Sinon, bien sûr, elle ne peut donner aucune preuve que c'était contrainte ou que c'était agression ou que c'était. Donc, c'est une des grandes que la personne a fait zina. Que la personne a fait zina, la preuve, elle est tombée enceinte. J'ai oublié de dire une chose tout à l'heure. Quand j'ai parlé que on dit zina, ce n'est pas seulement, et les savants ont dit, même si c'est par sodomie par rapport à la femme. Ce n'est pas seulement yani, dans l'endroit où sort l'enfant. Mais c'est aussi si c'est par derrière. Un homme avec une femme par derrière. Ça aussi, yani, ça a la même loi que la zina. La même loi que la zina. Ça, c'est un homme avec une femme. Si c'est un homme avec un homme, ça, c'est autre chose. Ça s'appelle liwat et ça a un autre châtiment. Certains ont dit on les brûle vivants et d'autres ont dit non, on les jette du plus haut endroit qu'il y a dans la ville. S'il y a un immeuble par exemple de 50 étages, on les prend au 50e, on les jette de là-bas vivants. Naam. Car Allah Ta'ala, ceux qui ont fait comme ça, comme Lot, il les a frappés avec des cailloux et des rochers tombant du ciel. Il a dit donc la même chose, on va les faire tomber d'en haut. Et certains ont dit on les brûle vivants, mais c'est pas l'avis le plus fort car le prophète a dit que personne n'a droit de torturer avec le feu, sauf le créateur du feu, le seigneur du feu qui est Allah. Sauf Allah, yani, il peut torturer avec le feu, pas nous. Naam. Tfadlal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante. Est-ce que la bid'a se divise en plusieurs catégories, comme le tawhid qui se divise en trois catégories? Barakallahu fikoum, cher. Les savants, la plupart des savants, quand ils divisent la bid'a, la divisent en deux. Ils disent bid'a mukaffira qui fait sortir de l'islam. Et bid'a mufassira. Et bid'a qui fait quoi? Qui rend la personne perverse. C'est tout. Il ne la fait pas sortir de l'islam. C'est comme ça que disent la plupart de Sunna ou Jama'a. Quant à ceux qui disent il y a bid'a bonne et bid'a mauvaise, hasana ou si'a, cela bien sûr, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le prophète a dit, Kullu bid'atin dalala. Il a dit, chaque bid'a est un égarement. Comment toi tu viens, tu dis, il y a une bonne bid'a et la mauvaise bid'a. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, a dit, quiconque dit qu'il y a une bonne bid'a, ça veut dire ou bien cette chose est une bid'a et elle n'est pas bonne. Il s'est trompé. Ou bien elle n'est pas bid'a du tout et il a cru que c'était une bid'a et il a dit c'est une bonne bid'a. De deux choses l'une. Ou bien elle n'est pas bid'a du tout. Et miskine s'est trompé, il a dit c'est une bid'a et elle est bonne. Ou bien c'est une mauvaise bid'a, comme a dit le prophète, il n'y a pas de bonne bid'a. Quelqu'un demande quels sont les égarements de Sayyid Qutb. J'ai dit, je redis, si quelqu'un veut lire ou la savoir quels sont les égarements de Sayyid Qutb, je lui propose un livre qui s'appelle justement les égarements de Sayyid Qutb, écrit par Cheikh Rabi', Hafidahullah, où il montre que Sayyid Qutb a eu plus de 10 ou 20 égarements. Entre autres, qu'il disait de l'unicité. L'unicité
de l'univers, Wahdat al-Wujud, et qu'il a critiqué des Sahaba, comme Uthman ibn Affan et Muawiya, qu'il a dit que tous les musulmans de notre époque sont des kuffars. Comme ça, il a dit, tous les musulmans de notre époque sont devenus des kuffars. Naam. Ils vivent dans la jahiliya, il a dit, ils vivent dans la période anti-islamique. Il a dit, les mosquées ne sont plus des mosquées. Elles sont devenues des synagogues. Naam. C'est pas la peine d'aller à la mosquée. Là-bas, la mosquée, on n'adore pas Dieu. Naam. Il a dit, elles suivent le gouverneur, etc. Donc, elles ne sont pas de vraies mosquées. Et comme ça, il a dit des choses vraiment, vraiment horribles. Naam. Tafadhal. Barakallahu fikoum, cher. Question suivante d'une sœur. Je la repose. Donc, vous avez parlé d'hypocrisie lors d'un précédent cours. Lorsque des personnes parlent de vous à d'autres et qu'elles disent que vous êtes un traître, et que lorsque vous rencontrez ces personnes, elles vous saluent normalement avec un grand sourire. Est-ce que cela, c'est de l'hypocrisie? Sachant cela, ne préféreriez-vous pas ne plus avoir affaire à elles et leur faire savoir que ce sont des hypocrites d'agir de la sorte? Car si on pense de vous que vous êtes un traître, pourquoi garder contact avec ces gens? Barakallahu fikoum, cher. Est-ce que vous entendez? Alhamdoulilah. Naam, justement, je conseille. Si cette personne, par exemple, sait que telle personne a dit d'elle traître, ensuite, quand la personne la rencontre, naam, elle va lui rigoler, etc. Aller devant elle, lui faire des sourires, etc. Je préconise, naam, de lui dire carrément. Je lui dire, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Tu as 5 minutes, naam, fadlal. Voilà ce que j'ai entendu, comme quoi tu as dit ça de moi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Seulement, et j'attends si la personne confirme ou si la personne infirme. Naam. Mais si la personne qui m'a rapporté cela est une personne de confiance, naam, qui ne joue pas comme ça facilement, et qu'elle a entendu elle-même la personne, et a voulu me rapporter cela pour que je sache, naam, pour que, par exemple, je m'éloigne de cette personne et que je lui raconte plus mes secrets, etc. Donc, naam, je crois cette personne, mais pour vérifier davantage, comme a dit Allah Ta'ala, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. J'attrape la personne elle-même et je lui dis, voilà ce qu'on m'a dit, ce que tu as dit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Naam. Comme ça, pour que je lui prouve et je lui montre, naam, que je suis au courant. C'est pas elle va me prendre pour une personne qui dort en marchant debout. Non, je lui montre que je suis au courant. Attention, attention. On me rapporte ce que tu dis. Non. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Mas'ud est venu vers lui et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai entendu quelqu'un dire de toi, naam, que yani, tu n'étais pas équitable, etc. Lorsque l'autre a dit que le prophète n'était pas équitable. Naam. Ibn Hajj al-Asqalani dans Fath al-Bari a dit, cette chose ne rentre pas dans la namima. Parce que il a entendu quelque chose qui, ça se dit pas. Dire du prophète alayhi wa sallam une chose pareille. Il est allé rapporter au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallam a rougi de colère. Et a dit, Rahimallah. Moussa alayhi salam, oudhiya fa sabr. Il a dit que Allah Ta'ala porte la miséricorde à Moussa alayhi salam. On lui a fait yani, plus de mal que moi et il a quoi? Il a patienté. Donc Ibn Hajr a dit que cette personne, quand elle a rapporté au prophète alayhi salam, ce qu'elle a entendu, il a dit, ça ne rentre pas dans la comment ça s'appelle, la namima, la médisance. Elle voulait la mettre en garde, le mettre en garde et lui dire, voilà ce que les gens disent de toi. Mais la médisance, c'est avoir du mal dans le cœur et tu voudrais rapporter des propos à d'autres spécialement pour rompre les liens entre eux. Vous avez compris? Pour rompre les liens entre eux. Mais si jamais maintenant toi, tu as un ami qui est, mashallah, pieux, mashallah, et ensuite tu entends des gens parler de lui, on a dit de toi telle chose ou X a dit de toi, ça rentre pas dans la namima si tu veux, hein, pour que Yani soit sur ses gardes et pour qu'il sache quels sont ses ennemis.
et pour que ils sachent comment faire à l'avenir. Je ne laisse pas comme ça dormir debout, alors que les gens sont en train de parler de lui. Naam, tfadlal. Afouan, afouan, afouan. Naam, je dois m'arrêter là, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Naam, j'ai des raisons. Je dois m'arrêter là, inshallah ta'ala. Je vous donne rendez-vous à samedi, inshallah ta'ala. Et désolé pour ce désagrément. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Wasmo, dans le prochain cours, dis-moi quels sont les gens qui ont parlé de moi. Quand je vais quitter le salon, il y a des gens qui vont parler. Tu vas me dire, et c'est pas de la médisance, ça, c'est comme on l'a vu dans le cours. Inch'Allah, allez, salam alaykoum wa rahmatullah.